Bonjour et bienvenue. Bonjour, allez, bienvenue à toi aussi. Pardon, je n'ai parlé français, mais je parle portugais and I speak English and welcome, bienvenue. Merci beaucoup, allez. Donc, tout d'abord, j'aimerais beaucoup remercier David et Michael Bemaster de nous permettre d'avoir ce lien entre nous. Et merci beaucoup aussi, bien sûr, à Alé pour tout son soutien et pour ce qu'il est. Merci beaucoup, Alé. Et merci beaucoup, donc, David et Michael Bemaster. Et merci beaucoup à vous tous qui êtes là, quel que soit l'endroit dans le monde où vous vous trouvez. C'est pour moi à nouveau un très grand plaisir d'être avec vous et de pouvoir pratiquer avec vous. Voilà. Donc peut-être que c'est la première fois que vous allez pratiquer, peut-être que ça fait très très longtemps que vous pratiquez. Tout est bien. Et je ferai, de toute manière, je passerai, je ferai, comment dire, j'irai lentement au départ et j'expliquerai très bien la pratique. Donc même si c'est la première fois, vous allez tout comprendre. Voilà. Alors, la dernière fois, le 12 avril, nous avons fait une pratique et c'était d'être en harmonie avec notre source de vie, votre source de vie. Et cette fois-ci, je vais continuer. Mais donc, c'est le même thème, c'est d'être en harmonie avec votre source de vie, mais en prenant donc un chemin différent. Voilà. Et puis, donc, cette pratique, cette méditation d'aide à soi-même, j'aimerais la dédier à une personne, à Brigitte Pörner, qui vient de mourir et qui était donc l'organisatrice, l'une des organisatrices à Innsbruck en Autriche, qui a, comment dire, qui a œuvré, qui a beaucoup œuvré pour le Jinshinjutsu et que j'aimais beaucoup. Donc, je lui dédie cette méditation à soi-même. Voilà. Donc, je vais vous montrer déjà l'illustration de ce que nous allons donc pratiquer. Donc, nous allons nous servir de deux verrous de sauvegarde de l'énergie qui sont le 14 et le 19. Le 14, comme vous pouvez le voir, se trouve donc à la base de la cage thoracique. Vraiment très facile à trouver. Il suffit de poser votre main doucement à la base de la cage thoracique. Et l'autre verrou de sauvegarde, c'est le verrou de sauvegarde de l'énergie numéro 19 qui se trouve donc sur le pli du coude. Alors, je vous montre la pratique. C'est-à-dire que votre main gauche va être sur le 19 droit. Donc, votre main gauche va être posée sur le 19, donc le coude opposé, et votre main droite va être sur le 14 gauche. Voilà. Et la main droite sur le 14 gauche. Donc, main gauche sur le 19 droit, c'est-à-dire sur le coude, et la main droite sur le 14 gauche, sur, à la base de la cage thoracique. Donc, je vais laisser cette illustration pour les personnes qui arriveraient un peu plus tard. Voilà, donc déjà, c'est de trouver une position qui vous est confortable, une position qui est sans effort. Vous pouvez être assis, vous pouvez être debout, vous pouvez être allongé, une position confortable, que vous soyez tranquillement, je dirais, installé. Vous pouvez fermer les yeux. Et vous respirez à votre rythme, soit par la bouche, soit par le nez, ce qui vous est le plus facile. Vous ne changez rien à votre respiration, elle est telle qu'elle est, sans rien forcer.
sans rien retenir. Et de la même façon, vous laissez aller vos pensées. N'essayez pas de penser à quelque chose ou d'arrêter de penser. Vos pensées sont telles qu'elles sont. Ces deux verrous de sauvegarde, 14 et 19, c'est d'être en harmonie avec votre source de vie. Si vous en avez envie, si c'est facile pour vous, vous pouvez tout simplement sentir votre respiration à l'extérieur de vous-même ou à l'intérieur de vous-même. D'être cette expiration, d'être l'inspiration. Chaque expiration et chaque inspiration, chaque respiration est unique. D'être l'expiration de la tête jusqu'aux orteils. D'expirer toute saleté, poussière et crasse, de tout simplement se décharger de tout ce qui vous encombre, de tout ce qui n'est plus nécessaire pour vous. Et d'être l'inspiration des orteils jusqu'à la tête. C'est-à-dire de recevoir ce nouveau souffle purifié, de recevoir ce dont vous avez besoin, de recevoir toute l'abondance dont vous avez besoin. Si à un moment donné, vous avez envie de changer de côté, d'inverser vos mains, vous pouvez bien sûr. Quatorze et dix-neuf, cette pratique va relâcher les tensions dans la nuque, dans les épaules, dans la tête. Relâchez les tensions dans les bras, dans le coude, dans les poignets, dans les doigts, dans les mains. Aussi relâchez les tensions dans le dos. Cette pratique va nous aider à mieux respirer, relâcher les tensions dans la poitrine. Aussi dans le cœur, va apaiser les battements du cœur, va nous calmer.
Peut-être que pour vous, en ce moment, c'est un passage difficile. Beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Beaucoup de choses confuses. Beaucoup, peut-être, d'inquiétude ou d'anxiété vis-à-vis de vos proches aussi. Cette pratique va justement nous permettre d'être mieux avec nous-mêmes. Cette pratique va nous aider à avoir des idées plus claires, des pensées plus claires, de mieux réfléchir, de moins être inquiet. Et aussi de nous aider à avoir justement de nouvelles idées. Cette pratique va nous aider à voir justement ce qui nous arrive différemment, ce qui vous arrive différemment, à mieux comprendre aussi ce que cela peut nous apporter. C'est une pratique très apaisante pour le cœur, pour la tête, pour le corps. C'est une pratique qui nous ouvre au soleil, à l'énergie solaire. C'est une pratique qui détend notre plexus solaire, qui nous ouvre à cette énergie solaire, à cette énergie de vie, d'être nourri par cette énergie solaire, l'énergie de la vie, notre source de vie. Cette pratique va nous permettre de rayonner, d'illuminer votre être. Ce feu solaire qui anime chacun d'entre vous, chaque être que vous êtes, vous permet d'être relié à une plus grande source, à la source de vie. De sentir cette respiration à l'intérieur de vous-même, dans tout votre corps, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts, d'être nourri par cette respiration, d'être nourri par cette énergie solaire. La signification de 14 et 19, c'est équilibrium, équilibre parfait. Équilibre parfait entre la droite et la gauche, de relier chaque partie de votre être. L'équilibre parfait, pour moi, cela veut dire mouvement. Entre chaque partie de votre corps, mouvement dans votre corps, mouvement dans vos pensées, mouvement dans vos émotions, mouvement dans votre vie.
mouvement, rien ne s'attache, rien ne se cristallise. Équilibrium, équilibre, équilibre de l'humanité, de l'être humain, votre équilibre entre le ciel et la terre, d'être nourri par le ciel et d'être nourri par la terre. L'être humain et le ciel et la terre possèdent les vertus du ciel, possèdent les vertus de la terre. Cet être humain est ce grand tout qui a tout en lui-même. Cette pratique 14 et 19 va vous permettre justement de trouver en vous-même toute solution, toute réponse. Ces deux verrous nous parlent de la compréhension, de maintenant me connaître moi-même, c'est vérité infinie, soi infini. Me connaître moi-même, c'est de savoir que tout est en moi, que tout est en vous, et que cette source est inépuisable, est infinie. Cette pratique 14 et 19 vous permet d'avoir cette compréhension infinie, compréhension de la vie, compréhension de vous-même, connaissance de vous-même, connaissance de vous-même infinie, d'être sans limite, d'avoir cette compréhension sans limite, cette vision sans limite, cette écoute sans limite. 14 et 19 permet à l'être que vous êtes de vivre infiniment, de vous relier à votre source de vie afin d'être. Parfois, dans notre vie, on se trouve devant un mur et on a du mal à comprendre le pourquoi. Le Jinshin Jutsu, la pratique du Jinshin Jutsu, vous permet justement d'avoir les clés de la compréhension. Pour moi, la vie, j'aime beaucoup dire que pour moi, la vie est une multitude d'expériences. Et que chaque expérience est là pour m'aider, m'aide à grandir. Et 14 et 9, par exemple, vont me donner les clés de cette compréhension. Donc la vie, l'univers m'offre des situations pour justement m'aider à comprendre, à passer au travers. Quatorze et dix-neuf nous aident justement à nous accomplir. Pour moi, l'accomplissement, c'est lorsque justement il y a un accord entre ce que vous êtes et ce que vous expérimentez. La compréhension, c'est justement qu'il n'y ait aucune séparation entre vous et les autres, entre le ciel et la terre. La compréhension, c'est justement d'être cette respiration unique,
d'être dans la respiration de l'univers, ne faire qu'un avec l'univers, d'être. D'être cette respiration unique. Chaque respiration est unique. Chaque respiration unique nous amène dans ce maintenant. Dans ce maintenant où la compréhension est totale et l'accomplissement infini. Je vous remercie. C'était pour moi très fort. Merci beaucoup à vous tous. Merci. Merci. Merci, allez. Et à très bientôt. Voilà. To all the people that are here in the room, merci. Donc, toutes les personnes qui sont avec nous, allez vous remercier. Voilà. Et dans quelques heures, dans 2h30, ce sera Anita Ulubi de New York qui animera aussi une méditation. Cette fois-ci en anglais, je vous encourage beaucoup à être là aussi. J'y serai. Voilà. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci beaucoup, allez. Merci.